plutôt dans la journée. Oui, c'était intéressant. C'était d'abord Donc, bonsoir à tout le bevor wir monde, jetzt weitergehen, Thibaut, möchte ich euch et puis eine merci kleine Geschichte encore à nos erzählen. traducteurs Guten et Abend zusammen. traductrices Mein Name ist Eric qui nous Aubin. permettent de Und erstmal réaliser vielen Dank an all die Übersetzungen, die ce heute Abend webinaire en wieder plusieurs langues. stattfinden, in all die Je suis ravi Sprachen, d'être avec die vous. uns erlauben, Merci Ilian de m'avoir invité diese aussi à faire Webinare cette überall auf der participer à Welt ce in so vielen webinaire et à cette Sprachen séance anbieten zu questions-réponses. Effectivement, sur les Gaspas, j'ai pu vivre une expérience il y a quelques jours où je prenais au cours d'un déplacement, avec autorisation et avec le masque et avec le gel hydroalcoolique et avec la distanciation et avec tout ce qu'il faut. J'ai pu Ich habe eine discuter ganz tolle derrière son vitrage Geschichte avec un chauffeur de taxi. mitzeugt. Et c'était Ja, intéressant also parce bin ich que, Zeuge bon, einer il avait envie Geschichte gewesen. d'engager la Und conversation. zwar Donc, il hatte m'a ich demandé ein ce que je Gespräch faisais. mit Je einem lui ai dit, je suis dans Fahrer l'industrie du voyage. und er hat Je mich suis dans le domaine gefragt, du voyage. was ich Il m'a dit, mache. ah, Und ich habe ihm super, gesagt, dass ich in der Reiseindustrie bin. mais ça doit être Und er compliqué sagt en so, ce ah, moment. toll. Donc, je lui ai dit, non, pas trop, on est dans un business Könnte model im Moment ein assez bisschen schwierig particulier, sein und puisqu'on a dann une habe ich gesagt, plateforme de nee, eigentlich nicht so réservation sehr, weil exclusive wir qui haben permet ein ganz d'avoir des prix besonderes encore. Angebot. Et là, ça a Wir haben commencé ein à le Modell, was chauffer sehr, sehr un petit exklusiv peu, ist. et donc Und dann il a commencé à me dire, hat er oui, gesagt, okay, ja, was ist das c'est denn? quoi comme Und er hat mir plateforme? C'est sein quelque chose Interesse de signalisiert. connu? Je lui ai dit, bah, c'est pas encore très connu, parce qu'on est en Europe et en France depuis 2017, mais oui, ça se développe très fort, Und er hat gesagt, ja, on fait okay, was ist 400% de das denn croissance, donc für ein on a beaucoup de Buchungsportal, demandes sagen Sie? aujourd'hui. Alors je sentais Sind Sie qu'il denn avait envie d'en bekannt in der savoir plus et de plus Öffentlichkeit? en plus. Donc Und je lui ai dann habe ich expliqué. ihm Et gesagt, en fait, à un dass moment wir donné, assez rapidement, sehr, donc sehr je lui viele ai Mitglieder dit, schon mais haben. dites-moi un peu plus. Donc je lui ai expliqué très vite le business model en lui disant, écoutez, on est un club Und privé dann de hat er gesagt, voyageurs okay, qui a le groupe dann des erzählen Sie mir mal mehr membres. Ces dazu. membres, en échange d'une Und dann habe ich mensualité, d'une gesagt, adhésion naja, wir sind mensuelle, halt ein vont privater avoir Reiseclub. accès à une plateforme de réservation exclusive sur laquelle ils vont trouver des prix de gros leur permettront de faire énormément d'économies, puisqu'on marge très peu sur les prix Und ich habe gros, ihm à la erklärt, dass différence des unsere sites Mitglieder gratuits, de réservation eben gratuite, zu qui, eux, ont besoin de gagner leur vie, extrem parce qu'ils sont exklusiven gratuits, ils n'ont pas Preisen, d'adhésion sozusagen mensuelle, et donc il faut Großhandelspreisen payer. buchen können. En fait, ils margent par-dessus le prix du voyage, et d'ailleurs, eux ont beaucoup souffert. Ah, et alors, c'est là que les choses se sont déclenchées. Ah oui, mais je connais un ami qui fait ça dans le domaine du marketing relationnel. Alors, quand quelqu'un me dit marketing relationnel, je peux Und considérer que dann c'est hat er quelqu'un gesagt, qui a oh, ich pas kenne peur du jemanden, marketing de réseau. Et en fait, der ist im Network Marketing j'ai, à unterwegs. partir de là, Und ich utilisé weiß, das les ist méthodes jemand, commerciales qu'on der connaît, dont je sozusagen lui ai keine posé des Angst vor questions. Entre autres questions, je lui ai Empfehlungsgeschäften demandé, mais hat. vous, comment est-ce que Und vous dann gagnez habe votre vie ich ihm ein paar par rapport à Fragen vos gestellt. charges? Nicht Donc il m'a viele, expliqué, alors ça peut toujours être bon pour vous de le savoir, mais il m'a dit, bah, en aber ein paar gros, gute. sur un mois, pendant 10 jours, je vais payer mes charges Ich habe ihn zum et ma Beispiel voiture, les gefragt, 10 jours de was machst du facturation denn sur les sonst noch 30 zum jours, Geld les autres verdienen? 10 jours de facturation, ça me servira à payer ma licence. Parce que ça coûte Und dann assez hat er cher d'avoir gesagt, une na, licence 10 Tage fahre ich de Taxi. VTC, enfin de taxi en tout Aber cas, là c'était un taxi. Et pendant ja, dann les 20 dix autres, Tage. les 10 derniers jours, c'est pour moi et là ça va être ma rémunération. Moi je disais Die oui, sind et mir. si vous Und êtes malade ist ou si vous relativ êtes teuer, so eine confiné ou si Taxifahrerlizenz vous, eben zu comment vous unterhalten. faites, si Und vous ne dann habe travaillez ich pas, vous ne gesagt, gagnez okay, pas. und was machst du Il jetzt, m'a dit, wenn ben du non, c'est krank ça le bist problème. oder Et wenn moi du je lui ai dit lockdown bist? exactement, écoutez, ce que Und vous dann sagt er, faites, ja, das ist genau das ce Problem. qu'il vous Dann faut, c'est des revenus verdiene ich kein passifs. Geld. Und Ça, c'est ich habe important. gesagt, C'est-à-dire que ja, si vous avez, das ist moi j'avais richtig. affaire à un Und ich habe ihm entrepreneur, gesagt, c'est quelqu'un qui deshalb a ist monté son dieses activité. Et si passive vous Einkommen connaissez so les kostbar, cadrans so du cash wichtig. flow de Robert Kiyosaki, vous savez que lui, c'est un entrepreneur, mais Und qui échange malgré tout son ich temps spreche contre in de der l'argent. Regel immer S'il est zu en vacances, Unternehmern, il ne ja, weil facture pas de chiffre wenn ihr d'affaires, il den n'a pas de revenu. Cashflow-Quadranten nach Or, un revenu Kiyosaki kennt, passif, dann versteht c'est, ihr, même dass si je suis en eben die vacances, Selbstständigen und die néanmoins, je Angestellten vais immer noch toucher ihre Zeit un gegen Geld revenu. tauschen. Und erst die Si je Unternehmer und constitue, grâce au Investoren, système da halt was MWR knacken, Life, das je anders constitue machen. mon équipe de membres, mon équipe de consultants, eh bien, lorsque les membres vont voyager, lorsque les Wenn ich nämlich consultants vont durch développer et MWR Live avoir des ein membres, eh Team von bien, Mitgliedern ça oder va Lifestyle générer pour Consultants moi des habe, commissions. Et ça, dann c'est un revenu passif. bringt mir das eben C'est schon ein compliqué, il ne faut passives pas se leurrer, c'est ce Einkommen, que je lui ai dit, c'est auch wenn compliqué à keine mettre en neuen place, Kunden mais dazukommen.
une fois que c'est en place, ben justement, vous n'échangez plus votre temps contre l'argent. Et là, j'ai senti qu'il était très intéressé par ça. Et donc, on a creusé. Est-ce que vous avez d'autres entreprises? Il se trouve que c'est la il a monté deux entreprises dans le domaine de la restauration. Et là, ça marche bien parce qu'il fait des livraisons à domicile. C'est pareil, votre entreprise de restauration, si vous n'êtes pas là, vous ne faites pas de chiffres parce que le rideau est fermé. Donc, on s'est mis d'accord sur le fait que son avenir passait par les revenus passifs. Donc, c'est là que je lui ai parlé de ce qu'on fait, parce que ce qu'on fait, c'est des revenus passifs. Et j'ai rajouté un élément en disant, vous savez, il ne faut pas avoir peur du terme revenu passif. Ce n'est pas des revenus à rien faire. Vous savez, le gouvernement a compris depuis très longtemps l'intérêt des revenus passifs. Pourquoi ? Parce qu'un État, un gouvernement ne produit pas, il ne produit pas, donc il peut subvenir à ses charges en faisant payer des taxes. Mais quand il va mettre des radars sur des routes, c'est très compliqué de mettre un radar sur une route. Et une fois qu'il est mis, une fois qu'il est câblé, une fois qu'il est relié à Internet, vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Il flash. Et à chaque fois qu'il flash, il encaisse. Ça, c'est un revenu passif. En fait, on en a énormément d'exemples autour de nous de revenus passifs. Donc, nos bons chauffeurs de taxi étaient très intéressés. De là, je suis passé sur le guest pass en lui disant, mais vous, en tant que chauffeur de taxi, vous pourriez optimiser ce que vous produisez. Vous faites quoi ? Vous conduisez des voyageurs. Eh bien, remettez-leur un guest pass. Chaque fois qu'un voyageur va faire des économies grâce à vous, vous allez gagner de l'argent. Et là, il était vraiment très, très, très intéressé. Un Reisender, der durch dich ein bisschen Geld sparen kann, mais il était super intéressé, Geld. Und das fand er dann richtig, richtig interessant. L'intérêt du revenu passif, l'intérêt du guest pass, il a compris son intérêt, je vous l'ai fait court, je vais expliquer derrière. Effectivement, une fois qu'il a remis un guest pass à un client qui voit que pour aller à Rome, il aurait pu faire 400 euros d'économie, mais qu'il n'a fait que 200. La personne s'enregistre en tant que VIP, évidemment. Et en s'enregistrant pendant 30 jours gratuits, il teste. Et au bout des 30 jours, comme le disait Ilian, il va rester. Parce qu'il va faire des économies. Parce que c'est un système qui est très intelligent. Il y avait une question que j'avais vue de Christine, juste je vais noter ce point. Le point VIP ne compte qu'à partir du moment où il est financé. Donc les 30 jours gratuits ne comptent pas pour un point. C'est à partir du moment où il y aura une mensualité que ça comptera pour un point. Et donc, on amène vraiment des clients à devenir, on amène vraiment des prospects à découvrir et à devenir des clients et à y voir l'intérêt. Et plus vous allez parler de cette façon, découvrir vos prospects, et plus facilement vous allez voir à quel point le guest pass s'adapte à tout, absolument à tout, sans aucune brutalité. Sans prendre la décision pour les autres, sans les forcer, parce que c'est aussi simple que si j'étais chez Givenchy et que je leur mettais un échantillon du dernier parfum, comme le disait il. Voilà, c'était ça mon histoire et mon exemple. Je vous assure, gardez en tête ce qui se passe, mais avant tout, questionnez toujours les personnes. Faites votre pitch, questionnez les gens pour savoir comment vous allez présenter au mieux l'offre qui conviendra le mieux à votre prospect. On dit dans le domaine commercial, il faut vendre comme l'autre a envie d'acheter. C'est-à-dire que je dois donner les arguments qui correspondent aux besoins que j'ai identifiés chez mon prospect. Et pour ça, pour identifier ses besoins, il faut bien que je lui pose des questions. C'est aussi simple que ça. Voilà mon ami Ilian, je voulais donner, c'était merci de m'avoir permis de donner ce petit témoignage et les revenus passifs sont quelque chose d'exceptionnel parce que c'est l'avenir des entrepreneurs qui réussissent. Est-ce que nous passons aux questions-réponses maintenant? Excuse-moi, j'avais du mal à trouver le bouton pour me unmuter parce que je suis en plein écran. Ian, j'avais deux points dont on avait discuté, Eric.
Ach, sorry, ich habe jetzt hier einfach nur die Ah, absolument. Die, Slides hier vorgeführt. Aber wir haben noch zwei Punkte, Eric, die wir gerne noch besprechen wollen. Einmal vous rappeler notre cause. J'ai souvent des questions. De personnes qui me demandent les liens, qui me demandent de savoir où on en est par rapport à la cause. Vous savez qu'on a une notre cause touche manchmal werde ich nämlich von Leuten gefragt, Madagascar, des hauts plateaux de Madagascar, qui sont effectivement des enfants qui la vie est très difficile. Et vous savez, si vous voulez leur faire un joli cadeau de Noël, eh bien, participer à cette cause, je vais vous mettre le lien dans le chat, participer à cette cause, la cause dazu beitragen wollt, dass wir mehr Geld spenden können, dann könnt ihr das, macht ihr das natürlich, indem ihr einfach Mitglieder werdet oder Post, aber auch indem ihr jetzt ist der Link in den Chat gegangen, in dem ihr direkt was spenden könnt, weil wir haben dort vor Ort einfach die Strukturen geschaffen, dass das Geld zu 100% bei den Leuten ankommt. Ja, also wenn du 10 Euro gibst, dann würde ich das in der Wirklichkeit schon einiges kosten und nur sehr, sehr wenig von dem Geld ankommen. Durch uns kommt es aber zu 100%. Vous allez mettre du bonheur dans les yeux des enfants, steht also et donc des enfants de Madagascar. Aujourd'hui, on n'a pas assez communiqué sur cette cause. On va renforcer ça parce que pour nous, c'est important de montrer qu'on est sensible aux problèmes humains qui peuvent exister dans des pays moins développés, nécessitent d'avoir une aide de la part d'associations comme Partage que nous soutenons et pour laquelle nous sommes un des sponsors. C'est important, faites briller les étoiles dans les yeux du Père Noël de Madagascar, pour les enfants de Madagascar. Ils sont dans des conditions. Vous allez sur le site que je vous ai donné, je n'ai pas besoin d'en faire la publicité. Ils sont terribles, de pauvreté. Et ben vous faites une bonne action, Ich gebe euch gerne die Webseite dazu. Ich will euch einfach versichern, ihr tut damit was sehr, sehr Gutes. Faire cet effort d'apporter quelque chose de bénéfique autour das de vous. Zu voilà, ça c'était pour la cause. Le deuxième point que je voulais vous donner, c'était parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Auf der ganzen Welt vous allez das être Leben der Menschen à Noël, verbessern. Peut-être avec 5 ou 4 personnes, parce que pas plus de 6 en France, mais dans les autres pays, vous pourrez peut-être être plus nombreux à Noël et vous allez avoir des gens dans votre famille qui vont vous dire « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Et vous allez expliquer ce que vous faites et donc vous allez avoir bien entendu des personnes qui vont vous dire « Ah, mais c'est un système pyramidal ou c'est du Ponzi ?» Alors, j'ai encore souvent des demandes d'aide sur ces sujets-là, donc ça va me prendre 2 minutes de vous dire comment ça. Si quelqu'un vous dit, Système pyramidal. Laissez-les s'exprimer. Posez des questions. Au lieu de répondre brutalement tout de suite, sous le coup de l'émotion, parce que tu me racontes, tu me prends pour qui, je ne fais pas un truc illégal. Posez des questions. Essayez de comprendre ce que la personne sait d'un système pyramidal. Et vous allez voir que elle en sait en général pas grand-chose, elle a juste répété ce qu'elle a entendu. Ou peut-être qu'elle a eu une expérience, une mauvaise expérience. La seule chose qui marche, ça c'est la seule chose qui marche, c'est de dire, écoute, on est bien d'accord, dans un système pyramidal, ce qui en fait le côté illégal, c'est que ceux d'en haut, gagne toujours plus que ceux d'en bas parce que c'est des rentes de position. Chez MW Airlife, les revenus ne dépendent que du travail réalisé, aber mit MW Airlife du nombre de membres que je mets en relation avec l'entreprise.
et ça ne dépend jamais d'une position. Et la preuve, c'est qu'on a des milliers d'exemples de consultants qui gagnent plus, voire beaucoup plus que les gens qui les ont sponsorisés. Ça règle complètement le problème de la pyramide. Vous n'avez même pas besoin de développer plus que ça. Pour ce qui est du Ponzi, c'est encore plus simple. Ton système, c'est un système de Ponzi. Ah, tu crois? Écoute, qu'est-ce que tu entends par un système de Ponzi? Explique-moi. Personne va vous dire ce qu'elle comprend, ce qu'elle sait d'un système de Ponzi. Et donc, vous allez pouvoir lui dire, OK, une fois qu'elle vous aura expliqué, et vous ne l'interrompez pas, et vous lui posez des questions pour vraiment qu'elle vous explique. Puis, une fois qu'elle vous a expliqué, vous dites, OK, tu as tout à fait raison, un système de Ponzi, c'est un système en général dans la finance où les revenus des entrants financent les sortants. Et si vous avez peur de ne pas vous en souvenir, vous n'avez qu'à penser à la retraite. Les revenus des entrants, des actifs, financent les revenus, financent ceux qui sortent de l'activité. Voilà, c'est typiquement un système de Ponzi. Et dans le domaine de la finance, on utilise les revenus de ceux qui rentrent pour payer les intérêts de ceux qui sortent. Alors, un, NWRLF n'est pas dans la finance. Deux, on n'attend pas que les gens nous demandent leurs revenus pour les payer, ils sont payés tous les jours. Ça, c'est beaucoup plus simple. Et puis, trois, en aucun cas, on ne va utiliser l'argent de ceux qui rentrent pour payer ceux qui sortent. Je t'en ai fait la démonstration. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, mon ami Ilian, je vois qu'on a quelques questions pendant que j'étais en train d'expliquer ça. Alors, j'ai une question pour toi, Ilian. Quels autres avantages peuvent bénéficier les guests VIP? Les guests VIP sont quand même limités à une partie de la plateforme. Ils n'ont pas... Ich habe mal noch eine Frage an dich, Ilian. Was sind denn die Vorteile, die ein VIP-Mitglied bekommt? Une adhésion voyageur, une adhésion basique, c'est-à-dire le voyageur qui veut voyager, mais s'il veut avoir plus de prestations, il devra payer plus, ce qui est très logique, puisque c'est quand même, on fait ça dans tous les domaines de marketing, de vente, de produits, de services. Quand vous voulez upgrader un service qui va être plus, on va dire, haut de gamme, vous allez devoir payer plus. C'est comme les cartes de crédit. On a la Gold, on a la Black, etc., etc. Chaque a une adhésion plus importante sur la ils n'ont pas accès à ça. Das heißt, von VIP donc c'est quand même pro-member, que vous compreniez qu'il y a une charte où vous pouvez voir toutes les prestations du VIP, toutes les prestations. C'est wichtig, dass ihr das versteht, dass wir es extra so gestaltet haben, dass man immer wieder auch einen Anreiz hat. Et cette charte, on la trouve sur le site MWRLife dans le menu client. Absolument. Und ihr findet das alles auf der Webseite von MWRLife. Da könnt ihr euch das mal angucken, wie die sich genau voneinander unterscheiden. Ja, VIPs haben natürlich auch keine Treuepunkte, die VIP und Pro Elite. Le Pro et l'Elite, ils reçoivent ce qu'ils dépensent sur l'adhésion en points fidélité. Un dollar dépensé est égal à un point fidélité qu'on peut utiliser ensuite sur les locales, les live et dans le mall pour avoir des réductions supplémentaires dans certains cas. Comme vous pouvez le voir sur les locales, nous avons la possibilité d'utiliser jusqu'à 100% des points sur une prestation de voyage. Donc, le voyage, en fait, c'est 100% de ce prix de voyage avec des points de qualité. J'espère que vous comprenez la différence, parce que c'est la grosse différence entre le VIP et le Pro Elite, c'est-à-dire les points de qualité, c'est la plus grosse différence. Je vois une question intéressante, je vais y répondre si tu veux bien, qui est sur Paolo, qui dit « Can we have specific information on how our company can have this huge discount. » Est-ce qu'on peut avoir une information sur la façon dont la société parvient à avoir de telles, à produire de telles économies? C'est intéressant, merci Paolo, parce que c'est notre business model qui nous permet ça.
Je vais vous la faire, je vais vous faire ça de façon très schématique. La plupart, pour ne pas dire toutes, en fait, les plateformes de réservation travaillent avec des grossistes. Un grossiste, c'est en général des très grosses entreprises. Qui négocient des prix de gros auprès des hôtels, auprès des loueurs de voitures, etc. Es ist un prix de gros, c'est quoi? C'est un prix spécial que l'hôtel va donner pendant une période particulière ou pour faciliter le remplissage de son hôtel, parce que c'est une expérience qu'à telle période, il n'arrive pas à louer toutes ses chambres. Donc, il va fournir un prix gros sur une période pendant un délai donné. Ce grossiste va remonter le prix de gros auprès de ses clients. Dafür gibt er dann halt vielleicht auch solche Booking à Expedia. Et sachez que Expedia est également un grossiste. Et parfois, votre réservation d'hôtel, elle va passer par Expedia. Mais c'est Expedia grossiste, c'est Expedia site internet. Et donc, les clients de ces grossistes reçoivent un site public, mais on va mettre une toute petite marge bénéficiaire par-dessus. Il faut qu'on en mette une. C'est légal, on ne peut pas faire une société qui ne gagne pas d'argent. Donc, on est obligé, il faut qu'on mette une petite marge. Mais elle est très légère. Et donc, si on compare le même prix, et pourquoi est-ce que, excusez-moi, pourquoi est-ce qu'on est capable de mettre une toute petite marge par rapport à ce prix de gros? Ça, c'est la partie Travel Advantage. Eh bien, parce que notre chiffre d'affaires, on le fait grâce à la mensualité, grâce aux membres qui payent tous les mois leur mensualité pour accéder à la plateforme qui leur donne presque ces prix de gros. Maintenant, quand on compare l'autre prix sur une prestation d'hôtel, par exemple, égale entre Travel Advantage et Booking ou un autre site, effectivement, la différence, c'est la marge que nous ne prenons pas par rapport à la marge que prend le site de réservation publique. Das heißt, encore une fois, il faut bien qu'il gagne sa vie. C'est normal qu'il fasse. Petite précision, les sites comme Booking vont vous dire qu'il fait une économie de X% par rapport au prix habituellement pratiqué par l'hôtel qu'il référence. Nous, on ne va pas se comparer par rapport à l'hôtel. On va se comparer, et on est bon joueur là-dessus, parce qu'on va se comparer au prix qu'un consommateur pourrait trouver de façon gratuite. Voilà. Donc, on va se comparer au prix d'une plateforme de réservation gratuite, Booking, Expedia, etc., et non pas par rapport au prix de l'hôtel. Si on se comparait par rapport au prix de l'hôtel, on aurait des pourcentages que vous ne voudriez même pas croire. Mais on considère que le consommateur, lui, il peut accéder à un certain prix en ligne, et c'est par rapport à ça qu'on se compare. Voilà, j'espère que c'est bien clair. Il n'y a pas de magie là-dessus. Der Verbraucher kann einfach einen Preisvergleich anstellen. Da ist ja kein Zauber drin. Vielleicht erstmal nichts Überraschendes drin. Erst durch die Mitgliedschaft innerhalb von Travel Advantage entsteht halt der Zauber dessen. Il y a Giovanni en Italie qui nous dit, qui nous parle de la loi 173/2005. Alors, ça, c'est une loi en Italie qui concerne plus particulièrement les vendeurs à domicile, la vente directe. Maintenant, Giovanni, la question, c'est est-ce que on fait plus du e-commerce, tout se passe en ligne? Ou est-ce qu'on fait des ventes par réunion ou des ventes à distance? Premier point, pourquoi est-ce qu'on serait catalogué dans le domaine de la vente directe? Seul point qui nous relie à ça, c'est qu'effectivement, on a un fonctionnement en réseau, avec des réseaux de clients et de distributeurs. OK, maintenant la deuxième question, Giovanni, c'est est-ce que vous,
Okay, warum wächst unsere Firma beständig? Ja? Sie wächst, weil wir einfach ein Netzwerk von Lifestyle-Consultants schon haben. Und die immer wieder neue Leute reinbringen. Il se trouve en Hongrie. Il vous envoie les fenêtres en Italie. Vous allez poser les fenêtres. Est-ce que votre fournisseur doit rentrer dans la loi 163? C'est un fournisseur. Nous, nous sommes fournisseurs pour vous. Vous êtes des entrepreneurs indépendants. C'est votre responsabilité de vous déclarer et de déclarer vos revenus dans votre pays. Vous travaillez avec un adossé à un fournisseur qui est Ce fournisseur est enregistré en France dans les deux entités pour l'Europe. Et ce fournisseur vous apporte votre mandat pour pouvoir mettre en relation. MBA Life ist halt in je vous rappelle que pour pouvoir déclarer vos revenus sans même avoir monté votre entreprise, parce que le système de micro-entreprise est très français, il n'existe pas dans les autres pays de la même façon, eh bien, vous avez le portage international qui vous est proposé, et pour ça, je vous invite à remonter vers votre upline, ou sinon, je peux vous donner le lien. Le portage international, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la possibilité de vous envoyer vos commissions depuis votre e-wallet sur la société de portage international, et lorsque cette société va recevoir vos commissions, elle va vous les transformer en un bulletin de paiement qui va officialiser vos revenus et que vous pourrez déclarer comme un salaire dans votre relevé d'impôt annuel. Alors, ce ne sera pas un salaire parce que ce sera déclaré dans la catégorie des revenus, des rentes, en fait, c'est-à-dire les revenus non salariés. Voilà, je vous invite à regarder ce lien que je viens vous mettre. C'est exactement ce qui vous permet d'échapper à cette de déclarer vos revenus et de ne pas être soumis. Übersetze ich stellenweise auch mal was nicht. Peut-être que je, pendant que je parlais, tu as trouvé d'autres questions, Ilian? Das ist aber, glaube ich, auch nicht so wichtig. Pro ou Elite, en client VIP, pour que vous puissiez avoir accès aux autres prestations. Les prestations très important à comprendre. Lorsque vous réservez en tant que guest pass, vous obtenez la réduction d'hôtel à moitié de ce que obtient WRL, c'est une adhésion gratuite. L'autre moitié est redonnée en commission et en crédit voyage. D'accord? C'est le modèle du guest pass. Le VIP, lui, il a accès aux économies totales, ce qui veut dire qu'il aura des prestations sur les hôtels à hauteur de 60, 50, 40, 80, 70, 10%, selon ce que propose la plateforme sur les réservations d'hôtels. Et lui, il obtient la totalité des économies. Il a aussi accès à d'autres prestations, comme les resorts, d'ailleurs, la voiture location, les vols. Donc c'est deux adhésions complètement différentes. Comprenez ça. L'une est un testeur, comme je vous l'ai expliqué plus tôt. L'autre, c'est une adhésion. Le VIP est une adhésion qui est une vraie adhésion de voyage. Prenez un exemple. C'est comme si Netflix vous donnait un film gratuit ou alors un autre exemple, vous pouvez regarder les 30 premiers minutes du film. Netflix, vous pouvez voir le film à moitié. Si vous voulez voir le film en entier, vous devez souscrire à Netflix sur l'adhésion. Vous ne pouvez que la moitié de ce film. Mais si vous voulez le film ensuite, je vois qu'on pose des questions sur quels sont les avantages que les personnes possèdent des guest pass ont
ils ont l'avantage de pouvoir voyager moins cher, okay, d'un, sur les hôtels, et de deux, ils reçoivent 10 guest pass chacun. Quand ils reçoivent 10 guest pass, ils ont l'opportunité de partager ces guest pass avec leurs amis. Et quand leurs amis voyageront, eux gagneront des crédits voyage qu'ils pourront utiliser sur une plateforme pour réduire encore plus le prix de réservation de leur adhésion d'espace. Très important. Merci Thibault de cette question. Il y en a d'autres. Il y a tellement de bonnes questions ici que c'est dur de toutes les répondre. On va en oublier certaines. Désolé. Qu'est-ce qui se passe si une réservation a été faite d'un VIP dans les 30 jours de son adhésion gratuite? Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, le VIP peut réserver dans ces 30 jours qui sont gratuits. Nous verrons comment les choses se développent, si c'est un abus du système ou pas. Mais pour l'instant, les gens peuvent réserver pendant leurs 30 jours d'essai. D'accord ? La réservation est toujours bonne. Eric, si jamais on trompe sur certains prix, n'hésite pas à corriger, parce qu'on est dans une société qui évolue beaucoup. Und, freut sich. Und dann ist er natürlich happy, dass er wieder mit Pima ist. Besoin de les upgrader pour pouvoir évoluer aussi vite qu'eux. Weil er hat ja jetzt schon einen riesen Schnapper gemacht. Non, c'est tout bon. Ok. On nous parle de la licence annuelle. Tu veux répondre, Eric, à celle-ci? Quel est le coût de la licence Imaginons qu'il y ait une modification sur la loi française qui ne permet plus de continuer notre activité en France. On perd notre licence ou peut-on la transférer dans un autre pays? Oula, ça c'est une question subtile ça. Pourquoi voudriez-vous... D'abord, je vous rappelle que la loi française, elle ne se modifie pas du jour au lendemain. Primo, je ne sais pas ce que c'est qu'une licence. La licence, c'est en fait l'officialisation du mandat de mise en relation des prospects avec l'entreprise. Voilà. Vous êtes mandataire et vous avez pour cela un rôle commercial. Et donc, vous avez une licence pour pouvoir diffuser l'offre commerciale de MW Airlife et Travel Advantage par la même occasion. Voilà, votre licence, je ne sais pas ce que c'est une licence nomade, mais c'est ça la licence. Et donc, vous allez payer cette licence pour une année. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous devez payer une licence pour un an. La première année et 99 dollars la année suivante en renouvellement. Donc, ça vous laisse le temps de générer des revenus. Et voilà. C'est... Ensuite, si la loi française, une modification qui ne permettrait plus de continuer l'activité en France, je ne pense pas que ça puisse exister. Ça voudrait dire que la France voterait une loi pour arrêter les méthodes, le commerce. Mais quand bien même ça se passerait, donc c'est impossible, mais quand bien même une loi, on pourrait dire, allez, une loi qui interdirait ou qui mettrait des contraintes telles sur le fait d'être mandataire, à ce moment-là, à ce moment-là, on n'aura plus le droit d'exercer en France en tant que mandataire. Oui, effectivement, si vous voulez vous enregistrer dans un autre pays, mais vous enregistrez c'est pas seulement où vous souhaitez vivre par la suite, c'est un pays dans lequel vous allez vous domicilier. C'est voilà, parce que pour pouvoir être déclaré fiscalement dans un autre pays, il faut y résider. Il faut être au minimum résident. Und die Lösung, die jetzt angeboten wird, ist einfach in einem anderen Land zu registrieren. Also nicht innerhalb von Frankreich. Les factures de course, les factures d'électricité, tout ce qui justifie, tout ce qui prouve que vous vivez là-bas. Voilà. C'est une question très particulière, aurait écrit, mais très bonne question. Et encore une fois, depuis les dizaines et dizaines d'années que les mandataires et les commerciaux existent, je ne pense pas que ça puisse se produire. Eric, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur les VIP et les guest pass. Je suis très content parce que c'est vraiment le futur de ce qu'on veut faire. Un guest pass d'un VIP qui est utilisé, donc d'un guest pass utilisé qui provient d'un VIP, comment est-ce qu'il se traduit dans le back-office du membre VIP? Vous recevez tous l'application ou le back-office
dans l'application, quand vous envoyez un guest pass et que celui-ci est utilisé, vous voyez que ça a été utilisé. Si jamais il n'a pas été utilisé dans les 24 heures qui suivent, le guest pass wenn jemand un guest pass rausgibt, ja, du hast ja dein Backoffice und wenn er genutzt wird, dann siehst du das auch sofort in deinem Backoffice. Du bekommst auch nicht E-Mail, wenn er genutzt worden ist, wenn er nicht genutzt worden ist und er es aus der App verschickt, hast du ja sofort den Code wieder. Also erinnere dich immer dran, er ist nur für 24 Stunden valide und wenn er nicht genutzt wird, dann kommt er zu dir zurück. Renouvellement annuel de 99 dollars. Non, les membres VIP n'ont absolument rien à payer autre que les 19,97. Très bonne question. Sachant que le renouvellement, il faut bien faire la distinction entre. Auch eine Frage war, muss das VIP-Member auch 99 Dollar Jahresgebühr zahlen? Nein, müssen die nicht. Et les membres qui sont soit guest pass, soit VIP, soit Pro. Also soit macht auch klar, dass diese VIP-Mitgliedschaft sich sehr stark unterscheidet von den. Il n'y a rien d'obligatoire, mais il ne faut pas tout mélanger. Un membre qui paye un renouvellement à 99 dollars, c'est qu'il est en plus consultant et qu'il a son mandat. Et ce n'est pas un problème. Un consultant a le droit d'être son propre client. Si vous distribuez des cosmétiques, vous avez le droit d'aimer le parfum parce que vous en parlez bien et comme vous l'aimez, vous l'achetez. On nous demande, Joshua Rubinel, qui nous vient des îles, nous demande, après 3 ans de développement aux Antilles, pourquoi n'y a-t-il pas de local de Life Experience en Martinique ou en Guadeloupe? Alors, j'aimerais quand même souligner le fait qu'on a déjà fait... on a fait des local expériences aux alentours des Antilles pour eux, pour qu'ils puissent voyager pas très loin. Je me rappelle qu'il y avait une croisière à Saint-Lucie. On a, ce mois-ci, on a annoncé un autre voyage à Saint-Lucie. Si ans active, nous avons déjà des prestations qui sont von Teamaufbau in Martinique ist die Frage hier, warum gibt es noch keine Local Experience innerhalb von Martinique oder Guadeloupe? Und die Antwort ist, sie sind da dran. Pourquoi on n'en a pas encore en Guadeloupe? Sachez que les Local Experience, et on en a beaucoup plus qu'on avait de Life Experience auparavant, ont que 8 mois, d'accord? Les Local Experience n'ont que 8 mois. On a un catalogue qui continue de s'agrandir et chaque mois, on en annonce des nouvelles. Et crois-moi, Joshua, si tu vas avoir des bonnes nouvelles, des choses qui vont t'exciter, soit là sur le call du CEO en début janvier. Je dis ça, vous avez déjà remarqué. Also, seid unbedingt am 6. Januar dabei. Non, t'as rien dit. Non, rien du tout. Rien entendu. Il faut être présent sur les calls. Exactement. J'ai une question qui est intéressante. Désolé, c'est Davide. Sorry. Donc, désolé, si j'ai mal écrit. If one buys only the license and does not buy the travel advantage, can you earn money? Donc, si quelqu'un achète seulement la licence, donc, devient uniquement consultant et n'est pas membre, ni VIP, ni pro, ni élite, ni rien. Il n'est que consultant. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent? Alors, c'est une très bonne question. Je vais répondre très vite. L'achat, la licence, le paiement de la licence ne rapporte aucun point. Vous pouvez avoir 10 000 personnes qui prennent une licence, ça fera toujours 10 000 fois 0, 0 points. Et comme on ne commissionne qu'en fonction des points, et ben ça vous fait 0 euro de gain. La licence n'est pas commissionnable. Donc, si j'ai un consultant qui n'a payé que sa licence, c'est très bien. Je vais le former à ce qu'il trouve des clients directement. Donc, il va peut-être trouver des clients pro, il va peut-être trouver des clients VIP directement rattachés à lui, des clients qui ne sont pas consultants. Et donc, ces clients vont lui rapporter des points parce que ce sont des clients directs. Et là, c'est l'avantage de GuestPass. Peut-être que notre consultant qui n'a que sa licence, et c'est très bien, va pouvoir remettre beaucoup de GuestPass. Il va peut-être en acheter, il va peut-être en remettre. Il en a déjà quelques-uns dès qu'il fait des réservations. Donc, pour faire des réservations, il faut accéder à la plateforme.
allez me dire. Donc, il faut qu'il ait au moins un espace lui au début. Et puis, il va gagner à ce moment-là des clients. Il va avoir peut-être des personnes qui vont devenir VIP. Dès lors qu'il a au moins 3 points, il est qualifié au bénéfice du plan de compensation. Ensuite, ça veut dire que s'il n'a pas ses 3 clients directs ou s'il n'a pas ses 3 points directs, pardon, qui peuvent être un client pro hein, ou qui peuvent être 3 clients VIP, ça fait 3 points. Dès qu'il a 3 points, bravo, il peut accéder aux commissions. Maintenant, ensuite, il faut qu'il rentre dans les critères des commissions. Donc, il ait au moins les points nécessaires pour le résiduel, etc., etc. Ok, voilà, ça c'est bien clair. On peut tout à fait être consultant sans être membre. Pour ça, vous allez faire comme si vous alliez vous parrainer, vous allez sur le site internet, vous décochez tout, et vous verrez qu'en bas, vous n'aurez à payer que $50 votre licence au titre de la première année. Mais bien sûr, vous n'accédez pas à la plateforme puisqu'il faut être client pour accéder à la plateforme. Et c'est dur de vendre un service quand même si on te demande de nous montrer, parce qu'en présentation en général, on fait ça, on ouvre la plateforme. Quelle plateforme je vais ouvrir pour montrer notre service? J'ai envie de dire, c'est un petit peu comme si excusez-moi pour l'expression, mais que je fasse 300 kilos et que je vende des chèques d'investissement. Ça va être compliqué pour moi de montrer ça. On conseille quand même d'avoir le visuel, ça va vous aider vraiment à avoir des présentations qui vont être beaucoup plus efficaces. Absolument. On a une question qui, lorsque un consultant de mon équipe de sponsorisation qui devient inactif et décide de ne plus continuer, est-ce que je peux le remplacer par un nouveau consultant? Oui et non. J'explique. On peut le remplacer si cette personne est grisée, c'est-à-dire si cette personne a envoyé un mail et elle a été annulée de son adhésion et de son mandat de distribution. Dans ce cas-là, la position devient disponible. Et vous pouvez remplacer. C'est une personne dans ce cas-là, elle a toujours $99. Donc, en jedem Folgejahr zahlt man halt $99. Vous ne pouvez pas le remplacer. Parce qu'on est d'accord que dans le Treeline, on est sur une structure de consultants qui ont développé avec leurs chiffres d'affaires qui sont à leur niveau de points. Tout est bon? Absolument, tout est bon. J'ai une question pour toi. Elle est un peu piégeuse, cette question. Un VIP peut-il enregistrer un VIP? Alors, mettons-nous d'accord, un VIP qui enregistre un VIP, est-ce qu'il est s'il peut enregistrer un VIP, est-ce que les points de ce VIP qui sont générés comptent dans le résiduel? Oui. Bon, merci de cette question. Il fallait quand même que je demande aussi pour avoir la réponse, mais je l'ai eu très rapidement parce que nous avons un corporate qui est magnifique. Un VIP ne peut pas enregistrer un autre VIP s'il est juste VIP. C'est-à-dire, si je suis client VIP et que je veux enregistrer quelqu'un, je peux le faire seulement avec un guest pass. Exactement. Si ce guest pass décide d'upgrader, il ira au premier consultant qui est dans la structure au-dessus de moi. C'est-à-dire le premier. C'est super important. Excuse-moi, je t'interromps. Mais juste sur cet aspect-là des choses, lorsque d'autres sociétés ne distinguent pas les consultants, les distributeurs des clients, et qu'ils appellent ça globalement des affiliés, ça pose un vrai problème. Parce qu'un membre, un client à qui vous donnez de l'argent, lui-même, il est client, il se considère client, donc est-ce qu'il va pas déclarer ses revenus? Et c'est aussi très important, cette unterscheidung, ja, weil wenn andere Firmen zum Beispiel Life, on a très clairement als sogenannte Affiliates auch führen, aber nicht als Vertriebspartner oder Lifestyle Consultants, dann kann das wirklich auch ein bisschen legale Probleme für die Firma aufbringen. Aber bei uns ist es halt klar, und wir haben
haben halt unsere Mitglieder, die können kein Geschäft machen. Und très deshalb, important, wenn jemand on ne travaille pas avec des affiliés, on a séparé deux. Je crois qu'on est la seule société dans le domaine du voyage à l'avoir fait. Eric, j'ai une question justement en parlant de licence et de tout ça qui vient sur comment se fait-il que la licence est payée chaque année une seule fois comme d'autres MLM. Alors, j'adore cette question parce que und dass wir natürlich ganz klar unser Beratergeschäft haben, wo eben Leute sich ein richtig dickes Einkommen haben. Und das in der Kombination, das heißt das Affiliate-Geschäft, c'est-à-dire que chaque mois, vous allez payer 20, 30 euros, 10 euros, 15 euros, peu importe, selon ce spécifique différent. Nous, MLM vous le faites une fois au début et vous n'avez pas de coût mensuel. Vous développez votre licence. Une licence qui est valide pendant un an. Et un renouvellement de la licence, vous continuez votre business. Tous les MLM vont continuer, ils vont vous donner au début une fois et ensuite chaque mois. Klar, wenn du dein Geschäft weiterführen willst, dann musst du Jahr um Jahr deine Lizenz als Geschäftspartner von uns auch erneuern. Ja? Und das sind halt $99 pro Jahr. Aber ich denke, das ist kein Alors, c'est dans le mall. Moi, j'aime bien appeler le mall le duty free. Verhältnismäßig zu dem, was du verdienen wirst, dann schon ein kleiner Betrag. Il y a plein de boutiques, quand vous avez passé l'enregistrement de vos bagages, les douanes, etc. Vous êtes dans la zone de duty free. Vous avez des grandes marques à des prix dégriffés. Vous avez plein de choses. Nous, c'est le mall. C'est l'équivalent du duty free. Il y a une question qui est pourquoi est-ce que la livraison des parfums est refusée dans certains pays? Eh bien, elle est refusée parce que il y a des contraintes au niveau du transport et il est interdit, par exemple en France. C'est interdit de transporter des substances alcooliques. Und das, der Verkauf donc, on n'a pas le droit de confier un transporteur verboten ist. Si on le fait, on est retoqué. Das ist ja zum Beispiel auch verboten, alkoholische Getränke mitzuführen. Also, dann machen wir das halt nicht, oui, j'ai une demande weil wir de Sergio Gabriel Schmidoff. So einfach ist das. D'origine, j'imagine, latino-américaine et russe, Schmidoff, enfin, je ne sais pas, peut-être. Très intéressant comme nom. Une question, d'ailleurs, en espagnol, si je ne me trompe pas, je vais essayer de la comprendre. En Argentine, on n'a pas plus d'hôtels, en gros, qu'il aimerait avoir plus de prestations en Argentine sur les hôtels. Comment est-ce qu'on peut répondre à cette question? C'est très simple. Nous avons démarré MW Airlife et Travel Advantage il y a, on va dire, à peu près 4 ans en arrière, et la société avait 400 000 hôtels. La société a créé sa propre plateforme et a fait ses propres contrats. Et la société a pu vraiment pousser pour se développer dans des régions où les réseaux se faisaient grands. Et on est passé à 1 million d'hôtels. Il y a quelques mois en arrière, nous avons rajouté des prestations supplémentaires et sommes passés à 1,4 million d'hôtels. Was in dem Teil der Welt passiert ist, ist, die hatten nochmal ganz eigene Verträge und haben da Dinge vorangebracht, die für uns ein bisschen schwierig waren. Also, aber wir werden uns daran weiter bemühen und halten, immer wieder neue Verträge aufzusetzen, um Menschen auch das Maximum an Angeboten weltweit zu machen. Donc, also Sergio, wir zielen da ganz klar darauf ab, den besten Service à la dernière mise à jour, je te donne un exemple. Le Brésil a augmenté de 130% leurs hôtels. L'Italie a augmenté leurs hôtels de plus de 200%. Donc, si Brasilien, par exemple, il y en a dans le futur. Là, nous sommes maintenant à 130% plus d'hôtels. Allez, j'ai une question. Il y a Sarah qui nous a posé deux fois la question. Eric va mettre son téléphone longue. Sarah dit qu'elle est du côté d'Haïti. Elle dit que le business n'est pas facile. Et que c'est de plus en plus compliqué et que la stratégie peut-on nous montrer ou proposer en tant que upline pour garder notre standard et continuer à progresser. Sie fragt, justement, so was für eine Strategie kann sie denn benutzen, um vorwärts zu kommen mit dem Geschäft? Sie empfindet das alles als sehr kompliziert. Pour savoir comment vous allez pouvoir vous développer.
Also, du musst mit deiner Il n'y a rien d'impossible. Juste pour vous donner un exemple, à Madagascar, ça a été compliqué, très compliqué au démarrage de Madagascar. Et puis, à un moment donné, on est tombé dans les cibles de populations qui voyagent, qui ont peut-être plus de revenus. Et donc, Madagascar s'est largement développé. Donc, Haïti, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas de la même façon. Aber einen Teil si der Bevölkerung erreicht, die einfach viel reisen. Und dann auf einmal ist unser Geschäft auch in Madagaskar explodiert. Sprich, eure Teams sind gewachsen. Also, die Teams in Madagaskar. Das heißt, es ist in deiner Verantwortung zu definieren, wer ist denn deine Zielgruppe? Wer sind denn die richtigen Leute, die du ansprechen kannst? En fait, on a un système qui Und die Frage hier ist auch, ob wir die Preise verringern können, runtersetzen können für Länder, in denen es besondere Herausforderungen gibt, in denen es einfach die ärmer sind oder die schwieriger ist. Und nee, da kann man einfach nur sagen, nee, das machen wir nicht, weil wir haben das standardisiert und es kostet überall das Gleiche. Et puis ensuite, comment vous calculez les commissions? Parce que alors, si on commence à avoir des prix de des clients, des membres. Weil wie sollten wir dann unseren Vergütungsplan auch weltweit gleich halten und auf alle Menschen fairerweise anwenden? Das ist einfach nicht möglich. Deshalb bitte, das müsst ihr auch verstehen, warum wir das standardisiert haben, warum das für jeden gleich sein muss. Déployer tout simplement le nombre de clients dans un pays. Und deshalb ist es so wichtig, dass ihr einfach mit euren Uplines arbeitet und diese Zielgruppenanalyse macht und da immer wieder die richtigen Menschen auch anspricht, für die das auch interessant sein kann. Oui, oui, oui. Je vais prendre une dernière question pour moi. Allez, une dernière. Après pour toi. Die eine Frage nehme ich noch für heute Abend. J'ai une bonne question ici. Attendez, je la remets. Ich habe hier noch eine sehr gute Frage. Existe-t-il un système de parrainage plus efficace que la liste de noms ou le simple bouche à oreille? Si oui, est-ce duplicable? Absolument pas pour moi. Et je vais t'expliquer pourquoi. Thibaut, le marketing du bouche à oreille, c'est quelque chose sur lequel se tournent énormément de sociétés. C'est une révolution dans le marketing. De plus en plus de sociétés ne font plus de publicité sur les télés parce que qu'est-ce que tu fais quand tu regardes la télé? En général, maintenant, tu achètes une adhésion sur Netflix, à Amazon Prime. Immer mehr Geschäfte wenden sich völlig davon ab, über Fernsehwerbung Menschen zu erreichen, sondern wenden sich immer mehr dorthin zu. Le marketing du bouche à oreille, déjà, il est beaucoup plus ciblé. Parce que tu vas aller parler à quelqu'un que tu sais qu'il y a peut-être besoin de ton service ou de ton produit. Donc, c'est un marketing qui est beaucoup plus ciblé. Et les entreprises dépensent de plus en plus d'argent sur le référencement, sur le marketing du bouche à oreille. Also, et c'est aussi immer mehr Unternehmen verstehen das, wie wertvoll das ist und sind auch bereit, dafür Geld auszugeben. Tu es mon ami. Donc, tu vas me faire confiance et une fois qu'il y a cette confiance qui est établie, tu es beaucoup plus apte à entendre un vrai témoignage de ma part et de me croire que si tu regardes une publicité sur laquelle on va mettre toutes les choses qui sont bien faites par ce produit et on ne va pas parler des inconvénients. Alors que quand tu as un retour, un feedback qui est en personne, d'une personne réelle, ce qui se passe, c'est que tu vas entendre un vrai témoignage. Et je vous invite vraiment tous à aller sur Travel Advantage, le groupe qui est Facebook qui existe. Vous y avez accès à travers la plateforme Travel Advantage. Et aussi sur Facebook, il y a un groupe qui est MWR Life Travel Testimonial. Et ces deux groupes, je peux vous assurer que vous allez trouver la preuve sociale pour montrer que ça marche, que la société est réelle, que les voyages sont réels, que les économies sont réelles. Il y a des postes tous les jours de personnes qui voyagent dans le monde entier. On ne parle pas de 5 personnes qui voyagent dans l'année, on parle de postes tous les ermutigen, jours. Dass du einfach dir die Menschen suchst, die dir wirklich den Beweis dafür liefern können, dass unsere Company
Donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a un système de parrainage plus efficace? Social proof liefert, d'autres, dass Menschen hier Geld verdienen und auch wenn das Jahr 2020 ein sehr schweres war, so sind wir trotzdem als Company weiter vorwärts gekommen, konnten unsere Provisionen alle zahlen. Und wenn du fragst nach einem effektiveren System, ich kann dir nicht mehr sagen, als macht dir auf jeden Fall eine Liste der Menschen, die für dich in Frage kommen. On devrait s'arrêter là. Und kontaktiere diese Leute zusammen mit deiner Upline. Okay, okay, ich denke, wir sind jetzt zeitlich On a fait notre check de son, donc on a démarré un tout petit peu plus tard, les amis. En tout cas, Eric, je tiens à te remercier. J'adore faire ces questions. Oui, moi aussi. Je sais qu'on n'a pas pu répondre à tout le monde. Je sais qu'on n'a pas pu répondre à tout le monde. Mais je sais aussi que si on restait ici pendant 5 heures, on répondrait à tout le monde. Mais personne ne resterait au call. Parce que ça sera trop long. Je tiens à remercier les traducteurs, les interprètes. Parce que ce n'est pas un job facile. Ils sont là tous les mardis, les amis. Si ce n'est pas votre upline direct, c'est peut-être la ligne de votre upline et vous pouvez remonter. Vous avez le droit de ne pas laisser dormir votre upline tant que vous avez des questions. C'est ce que Ilian répète tout le temps. Ne laissez pas dormir vos upline tant que vous avez envie de vous développer. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année également. Un joyeux Noël, profitez bien. Wir wünschen euch ganz, ganz schöne Ferien. Merry, Merry Christmas. Je pense que, est-ce qu'il y aura encore une formation mardi prochain? Oui, nous ferons une dernière formation pour l'année 2020. La dernière de l'année? Voilà, la dernière de l'année 2020. Et on va essayer de faire quelque chose qui va envoyer pour qu'on clôture l'année comme il faut. En beauté. Super, parfait. Restez connectés et merci mille fois à tous et à toutes. Bonne soirée et Merry Christmas. Und danke nochmal an alle, die dabei waren. Und ja, dann ganz schöne Weihnachten und bis bald.